coucher là, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti. Ok, c'est allumé. Tu filmes juste devant toi. Tu filmes devant toi. Le paysage. Ok. Tu peux filmer aussi, tu ne filmes pas. D'accord. Je pense que tu peux parler. Ok. Salut, salut, salut les amis. C'est le truck stop ici. Yeah, c'est ça le truck stop. Ok. Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Alors, aujourd'hui on a un nouveau caméraman. On a Tika au platine qui va nous gérer ça là. Donc voilà quoi. Alors, aujourd'hui en fait on est en route pour Kansas City, là où on part prendre notre troc. Comme je vous disais, le truc c'est que on a lancé une entreprise notamment dans la logistique et le transport. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous quand même parce qu'on va aller prendre ça et on va commencer quoi. Donc on vous montre un peu le paysage, un peu de là où on est en train de partir. Voilà quoi, voilà un peu comment est-ce que les autres travaillent leur pays pendant que le chef lève. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que les amis, le message reste le même, c'est-à-dire la nécessité de saisir les opportunités qui sont devant vous. C'est-à-dire, ne vous limitez pas. En fait, il n'y a que toi qui décides que tu te limites en fait. Mais il y a tellement d'opportunités devant toi. Et plus tôt tu comprends ça, mieux tu vas t'enrichir. Regarde autour de toi quel problème que tu peux résoudre à ton niveau. Et les gains seront juste incroyables. C'est toi qui décides. Mais ne te limite pas, ne te limite pas. Tu as un potentiel. Et de surcroît, pour le moment, tu es dans un pays là où il y a autant d'opportunités. Pourquoi tu vas rêver petit? Parce que là aussi, c'est ça le truc. C'est-à-dire, on rêve petit, on ne sait pas pourquoi on rêve petit. Alors que le rêve est gratuit. Comme si c'était même cher. Et pourtant, c'est gratuit de rêver. Mais toi, tu décides de rêver petit. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, on prend cette nécessité-là de ne pas se limiter. De ne pas se dire que bon, c'est trop fort pour moi. Je ne peux pas. Non. Tu as beaucoup de potentiel en toi. C'est à toi juste de décider. C'est toi qui décides. Et si tu décides aussi de ne pas te lancer, ce sera ton choix. Mais dans tous les cas, il y a un choix que tu dois faire. Celui de te lancer ou celui d'espérer que les choses vont changer d'elles-mêmes. Ça ne va pas changer. Je suis sûr d'une chose, c'est que quand tu as commencé la nouvelle année, tu te disais que cette année doit être meilleure que l'année que tu as connue, que les années que tu as connues. Mais pour que l'année soit meilleure, tu vois, parce que le numéro de l'année a changé dans le calendrier. Pour que l'année soit meilleure, il faudrait que toi d'abord tu sors de ta zone de confort et que tu décides de faire des choses que tu n'as jamais faites. Pour avoir les résultats que tu n'as jamais eus, apprends à faire ce que tu n'as jamais fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas capable de prendre certains risques, comment est-ce que tu veux que ton compte en banque change, mon ami? Comment est-ce que tu vas pouvoir aider la famille au pays? Comment est-ce que tu vas pouvoir payer la dot de ta bien-aimée? Il faut que ça change. Mais pour que ça change, pour que ton compte en banque change, il faut d'abord que tu prennes les risques, que tu refuses de prendre. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que les risques que tu prends sont facteurs. Enfin, ton compte en banque est facteur des risques que tu prends. C'est aussi simple que ça. Donc les amis, c'était la première partie. On va vous montrer au fur et à mesure comment est-ce qu'on va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Donc sur ce, on reste connecté. J'espère que vous allez bien. Comme Warren a dit, en fait, nous sommes en train d'aller à un autre niveau, un autre niveau supérieur, en fait.
on a fini le business de nettoyage. Nettoyage, cleaning. Ok, on a décidé de prendre le risque de se lancer dans le business de ce qu'on appelle truck ou encore poids lourd, conduire les poids lourds. Ok. Donc là, en fait, on avait besoin d'un camion pour commencer le business et nous sommes à Omaha, on est 24. Et beaucoup de gens se sont lancés dans le business, ce qui fait qu'il y a pénurie de camions. Mais on a cherché, on a quand même eu quelque chose dans un autre état qu'on appelle Missouri. Donc là, en fait, on a pris le conduire à Missouri pour aller voir le camion, là, pour le truck en question. Donc, quand on va arriver, on va filmer, on va vous montrer okay, ce qu'on va trouver là-bas. Ça n'a pas été facile, mais bon. Donc, comme vous voyez là, ça va. Ok, mes chéris, on a pris le truck, on a pris le car, on a pris la voiture. Maintenant, on est prêt à travailler. Donc, venez nous voir en action. Yeah. Donc, tout à l'heure. Ok, sounds good. All right. Ok, allons. Yeah. Ben écoutez, comme on vous a dit, les amis, là on est là. On est venu prendre le truck là. Donc là on est en train de partir quoi. On est là, comme je disais. On est venu prendre ça à Kansas City parce que voilà, il y avait. C'était pas facile d'avoir ça. C'était vraiment pas facile. Donc voilà. Voilà le fameux troc là, donc on va rouler ça jusqu'à la maison. Donc c'est un peu ça quoi. On est là, on est venu forcer le destin. Le truc c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre pour aller chercher son avenir là où il est caché. Donc restez connectés et on se dit à tout à l'heure. Ok, nous sommes dans notre truc. Ok, on va lancer le business. Yeah, never give up. On enlève la peur. On doit aller travailler les dollars. On en a besoin, ok? Donc, yeah, Warren va conduire ce gros camion. Comme vous voyez là, ok? C'est parti. C'est les amis, dans la vie, il faut prendre les risques. On a décidé de lancer ce business de truck. Ce n'était pas difficile de trouver un truck également parce que tout le monde est dans le business. Ce qui fait que. Il n'y a plus les gens, les trucks et les bons. Genre, quand les gens prennent en fait, on leur remet une voiture justement à leur business. Donc, nous voici aujourd'hui, on a récupéré notre truck et on commence les vraies choses. On a pris les risques, on ne quitte pas hop, on enlève la peur, on conduit ce gros camion aujourd'hui. Donc, voilà le stratège. Voilà Warren. Il est tout dedans. Donc, yeah, on fait la suite. C'est que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que est-ce que ça veut dire que je n'ai pas peur? Non, j'ai peur, mais le truc c'est que tu dois affronter ta peur, tu dois aller au-delà de tes peurs. Parce que quand tu as tourné le truc, après tu t'es en train de dormir, on va arriver aujourd'hui là. Voilà les autres gros camions devant mon frère. Tu dors, ta vie dort. Hey, sans peur, tu ne te bats pas, il n'y a rien pour toi dans la marmite. Affronter ses peurs. Voilà l'autre gros ici. Comme Warren a dit, il est en train aussi de bâtir son expérience de driver de poids lourd, conducteur de poids lourd. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, non. Félicitations à toi. Toi, tu dois combattre ça parce que si tu pars, si la peur passe le temps à te commander, tu ne vas rien faire. Moi-même, j'ai pris mon croix à deux, je suis monté sur le gros camion là. J'ai fait confiance à Warren. Hein. J'ai fait confiance à Dieu, ça va aller. Yeah, ça va aller. On se cherche. Au moins, on ne fait pas pour toi. Ça, c'est le vrai argent qu'on cherche. Vous voyez comment avec vos yeux, non? Comment on est en train de se battre? On a pris ce camion aujourd'hui, on a pris ça dans un autre état. Il y a 3 heures de route de chez nous. On a pris notre courage à deux mains. Maintenant, on rentre pour aller commencer notre business. C'est le truck, le camion là qui est monté. Voilà vous-même, regardez la vie des gens. Oh. Et puis les gens qui se portent à partir 40 000 dollars en ville. Mon frère, c'est facile.
lot of people already. We need a physical alcohol oil testing, so I can put people work together. Yeah. C'est ça être les boss entrepreneurs, c'est ça. On vous montre ce qu'on fait. C'est pas que vous voyez pas, vous voyez seulement les 40 000 dollars tomber, les 100 000 dollars tomber, les photos à Dubaï, le désert de Dubaï. Mon frère, les boss, c'est ça. Ok? On vous montre ce qu'on fait et le jour qu'on vous montre l'argent qu'on gagne, ça va pas vous étonner. Ça va pas vous étonner. Voilà. Mais nous sommes les Africains dans notre genre, on a dit oh, on a décidé de sortir de la pauvreté. On a décidé de prendre notre vie en main, mais en vrai. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. On n'est pas venu ici pour dormir quand même. Quand même. Il y a de l'argent qui fait en route. Conduire les gros camions ici. Ok, la logistique aux États-Unis. On se lance à ça, mais nous, hein. Quand vous voyez là, ça les vaches là-bas, c'est un peu loin. Mais ici c'est quoi? C'est la mer? Mais ça c'est la mer? Il y a trop le désert ici. Oh. Ok, on a quitté le Nebraska parce que on a cherché le gros, le poids lourd aussi qu'on appelle le gros. On n'a pas trouvé nulle part. On a trouvé ici à ce qu'on appelle là. Dans les menus pour le sport quoi. Ici c'est un peu comme la ferme, il y a la ferme, il y a les vaches, il y a les, je sais pas les bois. Voilà, les gros camions seulement en route. Les gens sont en business, oh, regardez vous-même africain. Yeah. Le gars de YouTube, là, vu African Bros, African what? Mais les gens ne dorment pas. Tout le monde a son truck, son gros camion, ils sont en train de faire son business. Et puis vous êtes là où vous dites porte à porte, c'est porte à porte. Ton envie de t'en sortir soit plus grande que ta peur. Yeah. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, le truc c'est que les gens qui ne se lancent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas se lancer, c'est parce que la peur les commande. Mm-hmm. La peur est trop forte, et quand la peur est trop forte, on va la dire la dernière fois. La peur est trop forte, et quand ta peur est trop forte, tu ne vas rien faire. Mm-hmm. Tu vas juste espérer qu'un jour je vais faire, un jour quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, mm-hmm. Je vais faire, un jour je vais faire. Quand tu auras le temps, ah. Est-ce que le temps ça sera grave? Ah. On est au Missouri ici, Kansas City, Missouri. On est venu prendre notre camion, commencer notre business. On a cherché partout. Les camions là sont rares en fait parce que beaucoup de gens ont lancé son business. Donc si on cherchait, on trouvait en Californie. C'est Californie comme ça là, on devait partir chercher. Merci vraiment au Seigneur parce que c'est, les gens vont même dire que c'est la chance quoi. Parce que vous imaginez si on n'a pas pu trouver ça au Nebraska. On est obligé de conduire ici. Voilà l'autre qui a garé ici. Ok. Donc je vous encourage, gagnez votre vie like, proprement. Okay. Pas de facilité. Il faut fuir la facilité, il faut fuir. Yeah. Vous voyez, non, tout le monde est dans les gros camions. Vous croyez que Warren est assis à la plage. Quand on va devenir riche un jour là-haut, vous allez dire que c'est la magie. Vous voyez comment on est en train de se battre, non? Après, vous allez appeler ça l'argent de Dubaï. Ah, vraiment, vous-même. Attends, vous-même. Regardez. Regardez. Il faut dire qu'il nous coûte pour vendre.
pas évident de trouver le drogue, c'est le poids lourd. Mais tu as fait grâce, moi. Parce qu'on a cherché, hein. On a appelé tous les Brassa. On a appelé Iowa. J'ai appelé même Minnesota. Et non, c'est juste le jour-là. C'est quand? Je pense que c'était mes coachings. Je suis allée juste en ligne et puis j'ai trouvé, je ne sais pas comment même j'ai trouvé ça. On est appelé et là on a appelé même si c'est Iowa. Après c'est la femme là qui a dit que il y a ça, il y a un disponible à 15 ans. C'est ça. Il faut vous demander aux gens, c'est quand même poser la question de est-ce que vous avez du cœur d'un extrait. Parce que si c'était pas ça, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, on a pu le perdre de l'argent parce que l'assurance est déjà là. On doit payer l'assurance chaque fin du mois. On devait juste perdre quoi. Mais on vous encourage. Le début, vous lancez le business au début, c'est pas de l'air. C'est pas facile. Vous allez d'abord perdre. Ça, c'est la vérité. Vous allez perdre. Et après, quand tout va rentrer en ordre, vous allez faire votre argent. Par exemple, si on n'avait pas trouvé le troc, c'est qu'on a trouvé payer l'assurance. Au moins pour un mois est passé comme ça, on a payé l'assurance, on travaillait. Donc disons un mois, deux mois, trois mois comme ça là. Mais il ne faut pas vous décourager. Ne vous découragez pas. Parce que les gens aussi, eux, quand ils louent le troc, tu penses que lui aussi, il va laisser le troc. Mm-hmm. Il va pas laisser le troc. Parce que quand on loue comme ça, en fait, on ne remet plus ça. On tourne seulement et on paye chaque semaine. C'est à cause de ça que c'est rare. Quand on a appelé, là où on a appelé, on nous a dit que les prochains trocs seront évaluables une fois que dans 3 mois. Et, ok, on laisse ton nom dans la liste. Il y a déjà 40 personnes qui sont sur la liste. Oh, j'avais envie de tomber. Vous imaginez? C'est la magie. Et tu sais aussi, il y a beaucoup de compagnies qui que vous pouvez prendre, on dit quoi, rente. Vous pouvez rente les trocs. Il y avait les compagnies phares que les gens disent Budget, Enterprise, il y a l'autre là c'est quoi, Wider. Tu vois, on est là avec Penske. Si on attendait seulement les trois, là, les trois, il n'y a rien disponible. Vous imaginez? Oh, moi je pense que Dieu est vraiment de notre côté quoi. Dieu est de notre côté sur beaucoup de choses. On parle, on sait de quoi on parle. Qui est en train de conduire la petite voiture derrière nous et nous on est en train de conduire le troc, donc il nous suit derrière, on s'en va comme ça à la maison. On a 3 heures de conduite, vous imaginez la soif qu'on a pour réussir. Vous imaginez ça, on appelle ça où c'est hot shot, c'est quoi là où ils ont le flat, ça on appelle ça le flat où ils mettent les choses là au-dessus, là c'est toujours les business. Box truck, flat, semi truck, hot shot, it's a lot. Merde. Est-ce que les gens dorment? Vous qui dormez là, votre vie dort, c'est votre problème. Vous voyez tous les gros camions là, chacun sa part de marchandises à l'intérieur qui part délivrer. Et c'est les business owners, c'est les propriétaires de business comme ça là. Donc vous qui arrivez aux États-Unis, pensez à faire du business. Ne venez pas caler dans les jobs là qui vous utilisent, qui vous fatiguent, après ils vous jettent.
veut ou ce n'est pas. Jean. Wow. Jean. Et on a vu la viande là-bas ou ce n'est pas. Ils sont en train de manger les. On dit quoi, bouteilles.